la saison s'avance. Il va falloir quand même aller prélever tous ces bracelets qui me restent pour cette saison. Pour le moment, il me reste encore deux indéterminés et une biche. Donc ça me laisse de belles journées d'avance pour aller faire quelques tours dans cette magnifique chaîne des Pyrénées. Et pour le moment, on va commencer par le bas du bois. Et ensuite, on va monter un peu plus haut où la neige est tombée cette nuit. Et on va voir si le gibier il a bougé. Là, dans le bois, ça sera du walk and stalk. Et sur le chemin là-haut, eh bien, je vais essayer de me prendre une trace dans la neige, de m'y coller dessus et de rapprocher un cerf ou une biche et d'essayer d'effectuer un tir dans une zone de maximum 35-40 mètres. Et on va voir si c'est réalisable. Donc pour le moment, la météo est assez clémente. On va voir si on peut aller s'amuser. Une petite heure et demie que je marche. En bas, quelques traces, mais j'ai pas vu d'animaux. Donc je viens de prendre un peu d'altitude. Cette nuit, ça a saupoudré un petit peu. Donc là, on est un peu dans la neige. Je vais couper les chemins pour voir si je trouve des traces de cerf ou de biche et si je peux m'y mettre au cul pour remonter une trace. Donc, on va voir. Pour le moment, c'est encore une petite heure de balade. Et après, la nuit va tomber et ça sera terminé.
avait un cerf et une biche un fang, juste sous le chemin. Et la biche et le fang, ils ont plongé en dessous. Et le cerf, il vient de traverser le chemin. Et il est à peu près à 80 mètres de moi. Donc, je vais passer en mode camo. Et je vais tenter l'approche pour voir si j'arrive à remonter dessus. Je suis pas sûr qu'il m'ait senti ou qu'il m'ait vu, puisque la brise ascendante elle est comme ça et que les cerfs et les biches ils étaient là-bas. Donc je vais m'approcher doucement. Je vais essayer de faire une approche. On va voir si je peux conclure. Le cerf, c'est bon. Il est couché, la tête en avant et le cul vers moi. Donc, je vais pouvoir essayer de l'approcher sans qu'il me voie. C'est chaud, mais ça vaut le coup d'être tenté. C'est ce qu'on appelle une scène de chasse d'anthologie. J'approche ce petit cerf que j'ai vu traverser le chemin et qui est venu se coucher. Quand je le trouve, il était à 60-70 mètres.
Je fais l'approche d'un sapin à l'autre pour faire l'approche doucement pour pas qu'il me voie. Et quand j'arrive à 35 mètres, il est toujours couché. Alors, j'ai pas sifflé pour le faire lever parce que vu qu'il me tournait le dos, je voyais bien son cuisseau et je pouvais rentrer entre l'os de la cuisse et les poumons pour entrer plein poumon et plein cœur. Donc, j'ai pas sifflé pour l'affoler. J'ai préféré le tirer couché au repos tranquille. Et là, la première flèche, l'encoche lumineuse est un peu fatiguée. Donc, on voit quand même la flèche rentrer plein spot. Il se lève. Il est pratiquement foudroyé sur place. Il fait deux pas et il se recale. Et là, c'est la première fois que j'arrive à doubler une flèche sur le même animal à moins de 10 secondes. Et là, j'encoche une deuxième flèche. Et là, avec l'encoche lumineuse, on voit partir la flèche plein spot, se caler plein épaule. Et là, il titube et il se couche. C'est une scène d'anthologie, c'est extraordinaire. Ça faisait un moment que je n'avais pas réalisé une comme ça. Et là, vraiment, je suis super content. C'est une histoire de chasse comme ça, c'est... Il n'y a que dans ce territoire extraordinaire, de cette chaîne des Pyrénées, qu'on peut trouver des choses comme ça. Ça fait quand même presque 2 heures. J'ai commencé à faire le bas du bois, puis les chemins avec un peu de neige. Et puis là, retomber sur cette bête qui me traverse et qui va se rentrer dans le bois. Pareil, j'aurais pu le perdre. Et comme pareil, je suis tombé dessus, je l'ai retrouvé couché. Génial, génial, génial. Waouh, je suis super content. Oh, pas de recherche au sang. Tombé à vue. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Rien. La chasse comme ça dans les Pyrénées, c'est rien que du bonheur. Et c'est surtout une sensation de fierté de réaliser un tir comme ça. Une approche comme ça, un spot comme ça. C'est vrai que mes entraînements, ça paye, parce que sans entraînement de 500 tubes semaine, on n'y arrive pas. Je l'ai souvent répété, mais mes potes qui sortent l'arc le week-end pour les chasser et qui tirent jamais, ben, ça peut s'expliquer. Moi, je tire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je m'entraîne, le parcours de tir à l'arc jusqu'à 45 mètres, je suis spot. Et c'est génial, et grâce à ça, j'arrive à réaliser des scènes de chasse comme ça. Et là, il n'y a plus de commentaires à faire. Là, c'est QFD, il n'y a pas de problème. Donc, allez, on va s'approcher de ce pauvre petit cerf. Merci à Saint-Hubert et Dame Nature de m'avoir offert cette scène de chasse extraordinaire. Waouh! Allez, on y va.